Yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle loot cave, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des loot caves. Il faut savoir que c'est vraiment moins efficace qu'avant, mais toujours est-il que voilà, on peut toujours farmer des engrammes et faire un petit peu de l'humaine. Donc pour cette loot cave, donc tout le monde connaît ce secteur, c'est tout simplement le cosmodrome et cette loot cave elle est ici. Donc je vous conseille tout simplement d'être à 2, au moins à 2. Donc vous voyez, nous on était à 2 pour la première partie. Donc voilà, on est resté à peu près une demi-heure ici. Il faut savoir qu'il y a toujours 4 mobs qui spawnent à cet endroit-là et un vaisseau qui va spawn au-dessus. Donc on est resté à peu près une demi-heure ici et je vais vous montrer tout de suite le résultat. On va avancer un petit peu plus vite, hein, évidemment, je vais pas vous laisser la demi-heure. Donc voilà, au bout d'une demi-heure, franchement, pas mal d'engrammes verts, pas mal d'engrammes bleus. Donc je crois que j'en ai eu 3 ou 4. Il me semble que j'en ai eu un aussi au-dessus. Donc voilà, je vais ramasser, vous allez voir un petit peu tout ça. Donc évidemment, pareil, hein, franchement, on s'est pas fait chier, on s'est pas fait chier à aller ramasser les munitions, etc. Vous videz toutes vos munitions et comme d'habitude, les munitions, elles se remettent obligatoirement dans votre chargeur. Donc voilà. Bon, ça, c'est pour la méthode pour les feignants, évidemment. Hein. Mais bon, voilà, nous, c'est ce qu'on a utilisé. On était deux, donc on tirait à peu près à tour de rôle. Il faut savoir que vous pouvez aussi récupérer des engrammes sur les kills que font vos alliés. Donc voilà, j'ai à peu près, je crois, 3 ou 4 engrammes bleus. J'ai fait une autre session d'une demi-heure parce qu'il y a un autre collègue qui nous a rejoint. Donc voilà, ça c'est mes engrammes après la demi-heure. Je crois même qu'on a passé un petit peu moins de temps, là, 25 minutes. Et j'ai eu beaucoup plus d'engrammes, vous pouvez le voir. Donc franchement, cette toute cave, elle est assez efficace. Je crois qu'il y a aussi un autre gars qui nous a rejoint. Voilà, lui, donc il est un inconnu. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton pseudo. Je ne sais pas s'il nous a reconnu ou pas. The Clochard PGM. En tout cas, un petit big up à toi. Une petite astuce aussi pendant la loot cave. Vous allez voir, donc comme d'habitude, il y a des événements publics qui apparaissent un peu n'importe où. Donc voilà, l'événement public est arrivé au spawn pendant qu'on y était. Vous savez que les événements publics, ça attire toujours beaucoup de monde. Donc voilà, je me suis même pas embêté. J'ai balancé ma grenade, le petit hit marker qui va faire en sorte que je participe à l'événement. Et voilà, je vais laisser les autres faire les 3 étapes de l'événement et j'ai réussi à l'avoir en or. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au passage, je voulais juste vous dire que cette vidéo est en 1080p, 60 fps. Donc j'espère qu'au rendu, ça va être assez joli. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais vraiment des très gros bisous et je vous dis à très bientôt les gens. Tchuss !